salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ouais, la petite vidéo de derrière les fagots. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver. Et aujourd'hui, donc, alors ce n'est pas les home tours, hein, toujours pas, ben oui. Hein. Voilà, ça viendra, ça viendra. Mais vous avez été quelques-uns, quelques-unes à répondre positivement. Pour la vidéo sur les phalaenopsis, donc les orchidées. Je vous avais dit dernièrement que je me remettais un petit peu plus à ma première passion, parce que pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, ma passion a débuté avec les orchidées et les plantes carnivores. Donc, j'ai pas choisi hein, le plus facile, mais à l'époque, je ne le savais pas. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal d'orchidées, bon, que j'ai mis un peu de côté aussi cette passion-là bah, pour me concentrer sur les plantes vertes, on va dire ça comme ça, plantes tropicales, type Monstera, Philo, Alocasia, etc. Et bah, c'est vrai que là, ces derniers temps, j'ai envie de me remettre un petit peu bah, donc à mes premiers amours, que j'aime beaucoup, qui sont vraiment des cocottes... on va dire un petit peu incomprises, mais qui ne sont pas forcément très compliquées. Enfin, je parle surtout par rapport aux phalaenopsis. On va parler d'eux principalement, parce que sinon la vidéo va durer plus d'une heure. Et c'est vraiment les orchidées qui sont quand même le... C'est vraiment celles qu'on connaît le mieux, qu'on connaît le plus, qui sont le plus vendues en Europe pour telle ou telle occasion. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, je vois même dans mon quotidien, qui me demandaient, quand ils savaient du coup que j'étais passionnée par les plantes, qui me demandaient le plus souvent des conseils par rapport aux orchidées. Et c'est vrai que quand on en acquiert une, on ne sait pas trop au début quoi faire, on ne sait pas trop comment la dompter. Hein, c'est vraiment des plantes que je trouve absolument merveilleuses, très délicates, assez sensible dans le sens où voilà, elle dégage vraiment quelque chose de sensible, de doux, de comment c'est quoi le terme que je pourrais trouver vraiment approprié qu'on n'approche pas facilement mais une fois qu'on connaît un petit peu bah, ce dont elles ont besoin en fait c'est pas des plantes qui sont forcément compliquées. Il y a certaines petites astuces à connaître, il y a certaines choses à faire ou à ne pas faire. Donc, je vais essayer un petit peu de vous expliquer tout ce que j'ai pu apprendre au fil des années, hein, parce que ça remonte à des années. J'ai des phales que j'ai depuis pratiquement 10 ans, donc quand j'ai commencé ma collection. Là, cette année, bah, du coup, après le déménagement, j'ai rempoté tout ce petit monde parce que je m'en étais pas occupée depuis un certain temps, mais... elles m'en ont pas voulu. La seule chose, c'est que, ben, vu que j'étais beaucoup moins régulière dans l'entretien, dans leurs besoins, elles ont continué à faire des feuilles, etc. Mais les floraisons ont été absentes. Donc, j'ai essayé beaucoup, beaucoup de méthodes de culture, différents types de substrats. Enfin, oui, différents types de substrats. On va dire de, ouais, différentes façons de les cultiver, on va dire ça comme ça. Donc, je peux vous faire un petit retour. Après, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, ce n'est que moi, ce n'est que mon environnement. Hein. Prenez ce dont vous avez besoin ou ce qui vous semble judicieux. Voilà, c'est vraiment des choses que j'ai expérimentées au fil des années. Mais je peux aussi dire de la merde, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Je ne suis pas spécialiste en orchidées. Hein. Donc... mais je trouvais ça vraiment sympa de pouvoir un petit peu vous parler d'elle et de vous dire un petit peu les choses de base, en fait. Et en fait, ça tombe bien parce qu'en fait, hier, j'ai été donc avec ma meilleure amie. On a été se faire une journée fille. Et donc, on avait quelques courses à aller faire et on a été chez Carrefour. Et qu'est-ce que je vois au fond du magasin, dans la zone anti-gaspille? Tout un lot de phalaenopsis à moins 70%. Donc, je m'en suis pris deux qui sont dans un état, je vous l'avoue, pas catastrophique, mais je pense que si elles étaient restées là-bas encore un mois, elles auraient cassé leur pipe. Hein.
Et donc, j'ai trouvé ça sympa de vous, comment dire, de vous montrer en fait sur une orchidée qui ne va pas forcément très bien, qui a vraiment beaucoup de choses, on va dire, à régler. Hein? Pauvre petite cocotte, j'aurais bien voulu toutes les prendre, mais ce n'était pas possible. Donc, au vu du reste de fleurs qui restaient, j'ai pu choisir, on va dire, les couleurs qui me plaisaient. Et je voulais faire un rempotage avec vous. Et je trouve que sur une orchidée qui ne va pas forcément très bien, c'est beaucoup plus représentatif pour vous montrer au niveau du rempotage et de tout, en fait. Comme ça, si l'envie vous en dit de sauver un phall, mais que là, vous claquez un peu des fesses. Au moins, ça vous montre un petit peu ce qu'il y a à faire, pas faire, etc. C'est beaucoup plus représentatif que sur une orchidée qui respire la santé, qu'on vient d'acheter chez le fleuriste ou en pépinière ou en jardinerie. Et c'est vrai que les phalles, c'est vraiment les orchidées les plus vendues. Donc les plus gros producteurs européens, c'est en Hollande. Donc c'est vraiment des productions. Bon. On peut dire, c'est pas péjoratif, mais qu'on peut dire à la chaîne. Hein. Tout est même, il y a très peu d'employés. C'est tout est fait un petit peu avec des machines, de l'emballage à la mise en pot. Enfin, c'est vraiment, ça brasse quoi. Ça brasse, ça brasse, ça brasse, ça brasse. Donc c'est vraiment des plantes. Je pense que ça fait partie des plantes les plus vendues en Europe quoi. C'est même je vois en EHPAD quand il y a l'anniversaire d'un papy, d'une mamie. En général, les proches achètent des orchidées. Bon, les pauvres orchidées, elles finissent, je vous avouerai, pas très bien. Donc, quand je peux, je les récupère, bien sûr, avec l'autorisation. Ça, je le fais plus parce que bon, j'ai plus l'occasion, mais il y avait un EHPAD où je suis restée 2 ans. Je les récupérais parce que soit j'en trouvais dans les poubelles de la résidence, parce qu'elles étaient défleuries, tout ça. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes. Et ça, je vous parle vraiment de sources sûres parce que j'ai parlé avec pas mal de personnes qui, voilà, qui s'y connaissaient absolument rien en orchidées, qui pensaient ou qui pensent qu'une fois que les orchidées sont défleuries, elles sont mortes. Donc, qui les jettent. Voilà. Ah, pauvre cocotte. Et donc, qui étaient très surpris quand je leur disais, mais non, ne faites pas ça. Va te rétro-satana, non. Elles peuvent mettre du temps à refleurir, bien sûr, hein, ça peut prendre des mois. Mais normalement, bon, après, elles ont chacune leur caractère. Hein, il y en a, elles vont pousser, enfin, elles vont fleurir toute l'année. J'avais une orchidée comme ça, un phall qui fleurissait toute l'année. Il finissait sa floraison, boum, il y avait une nouvelle hampe florale. Bon, ce qui a été très rare, hein, parce que ça a été le seul hein, qui était comme ça. Maintenant, malheureusement, je ne l'ai plus parce que c'était le plus vieux que j'avais. Et malgré que j'essayais de le mettre en repos et tout, il n'en avait rien à péter. Mais bon, voilà. Donc, je vais vous montrer les deux petites cocottes que j'ai trouvées hier chez Carrefour. Donc, vous allez voir, hein, elles sont vraiment pas. Alors, j'ai pris celle-là parce que je trouvais la couleur extrêmement jolie. Un petit peu, voilà, orangé, rose, jaune et tout. Je la trouvais très belle. Bon, vous voyez que les feuilles, je sais pas si vous. Ah, celui-là, vous verrez quand même assez bien, sont assez fripées. Donc ça, c'est un manque d'arrosage ou ça peut être un surarrosage. Mais là, étant donné que, vu leur état, c'est une déshydratation. Hein, donc j'ai quand même, hier soir, je leur ai quand même mis de l'eau parce que là, c'était vraiment catastrophique. Là encore, les feuilles se sont un petit peu redressées. Mais on voit que clairement, ça va pas quoi. Ça va pas du tout. Ça va pas tout ça. Vous voyez, c'est quand même assez fripé, les feuffeuilles sont bien molles. Normalement, les feuilles des Phalaenopsis, quand elles sont en pleine santé, bien hydratées et tout, les feuilles, vous faites ça, vous la cassez. Les feuilles sont extrêmement fragiles. Mais voilà, hein, quand vous arrivez à faire ça, c'est que la plante est déshydratée ou en surarrosage. Mais là, pour elle, c'est vraiment un manque d'arrosage crucial. Donc, il y a eu celle-là. Donc, je les ai payées même pas 3 euros. Alors, je ne me suis pas ruinée. Vous voyez, il y a une hampe là qu'il faut couper, qui a jauni, les racines qui crient au secours, qui sortent du pot. Donc, il y a eu celle-là et j'ai pris celle-là. Alors, elle, je pense, de ce que j'ai vu, elle est encore plus abîmée parce que vous voyez l'état des feuilles. Voilà. Voilà.
Hein, ça se passe de commentaires. Bon, là, on peut floral, là, ça y est, c'est terminé. Hein, c'est râpé. Mais pareil, j'aimais bien cette couleur un peu jaune. Bon, ça va, c'est pas jaune cocu encore, mais j'aimais bien cette petite couleur jaune citron. Mais ouais, pareil, vous voyez, même les racines, on voit qu'elles sont déshydratées. Bon, déjà parce qu'elles sont grises. Donc, pour voir si une orchidée a soif aussi, vous regardez les racines. C'est pour ça d'ailleurs que les phalles, on les rempote dans des pots transparents. Pourquoi? Parce que les phalles ont besoin de luminosité sur leurs racines. Vous pouvez mettre des cache-pots. Là, elles étaient vendues avec des petits cache-pots. Je vais vous montrer parce que je les ai là. Voilà. Bon, ils sont très jolis. Après, alors, vous pouvez mettre des cache-pots. Par contre, il faut que le cache-pot, en fait, il faut que l'écart entre le pot de l'orchidée, là, l'écart qu'il y a là entre les deux, entre le pot de l'orchidée et le cache-pot, il faut quand même qu'il y ait quand même un écart assez important pour que la luminosité puisse passer dans cet écart et arriver jusqu'aux racines. Mais normalement, moi, je sais que je préfère mettre mes phalles, bon, déjà en pot comme ça, en plastique, hein, que vous trouvez en jardinerie, ça, sans aucun problème, qu'on utilise même pour les phyllos, les monstera, enfin voilà. Et comme ça vous permet de voir déjà d'un la couleur des racines, voir si elle a soif ou pas, de voir justement le taux de condensation. Donc ça vous donne un petit peu, ça vous aiguille si il faut arroser ou pas, si on peut laisser, s'il y a des petites gouttelettes encore. Bon, bah allez, on laisse encore 1 ou 2 jours. Enfin voilà. Mais pour voir si un phalle en fait a soif, en fait quand les racines sont grises comme ça, c'est qu'il faut arroser. Là c'est et encore vous voyez là c'est vraiment un très bel exemple parce que là on voit qu'elle est vraiment déshydratée parce que même la racine est fripée. Vous voyez au bout, la racine est vraiment fripée. La racine, oui, la racine est vraiment fripée. Oui, c'est bien ça, Clémentine. Oui. Et c'est vraiment un manque là, une déshydratation vraiment totale. Après, quand elles n'ont pas soif, je ne sais pas si j'arriverai à. Parce que je les ai arrosées hier, hein, mais. Bah, vous voyez même les racines là, en fait, bon, là il n'y a pas de racines vertes, mais quand les racines par contre passent de cette couleur blanche grise à vert, mais à vert vraiment, vous verrez la différence très nettement. Là, ça veut dire que elle est hydratée, vous pouvez la laisser tranquille. Après, les phalles, elles n'aiment pas forcément être trop arrosées, il faut être régulier dans les arrosages, ça c'est sûr. Mais entre les deux, entre beaucoup d'arrosage et pas trop d'arrosage, elles préfèrent le pas trop d'arrosage parce que ça reste des plantes épiphytes dans la nature. Elles n'ont pas de peau, elles n'ont pas de substrat. Elles s'accrochent principalement à l'écorce des arbres. Donc il y en a beaucoup aussi qui pensent que c'est des plantes parasites, mais non, elles s'accrochent, elles s'aident de leurs racines aériennes pour s'accrocher et pousser sur les arbres. Et en fait, quand il pleut, etc., enfin voilà, tout ce qui tombe de l'écorce de l'arbre en fait va directement sur les racines et elles se nourrissent comme ça. Donc ça reste quand même une plante épiphyte où il faut un substrat très drainant, mais qui retient quand même suffisamment l'humidité pour bah, qu'elle ne soit pas sèche au bout de 2 jours non plus, hein, ce n'est pas le but. Donc je vais vous montrer aussi le substrat que je fais moi maintenant. Ça marche très très bien. Donc là j'en ai préparé pour les deux. Bon, je pense que j'en ai un peu beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Alors, comme vous voyez, donc il y a des écorces. Donc là, c'est du substrat pour orchidées. Je prends, j'aime bien le substrat de chez Jardiland, Éclose. C'est celui-là. Si ça peut vous. Voilà. Vous voyez, c'est celui-là. Et je le trouve super parce que, en fait, bah, les écorces de pin, c'est à. Ces écorces, parce qu'il y a plusieurs types d'écorces pour les orchidées. Il y a certaines orchidées qui vont demander des écorces de gros calibre, moyen calibre ou fin calibre. Et moi, maintenant, je préfère utiliser fin calibre. Ça garde un peu plus l'humidité, mais en même temps, ça reste bien aéré. Je rajoute de la perlite, un petit peu quand même. Et comme vous voyez, de la sphaigne. Mais elle est très très fine. Hein. Je la coupe. Vous voyez, très très fine. Mais vous voyez, dedans, c'est pas mal parce qu'il y a donc deux écorces. Tourbe de sphaigne, donc il y a quand même déjà de la sphaigne. Fibre de coco, pouzzolane et dolomie. Donc, je trouve que c'est très bien. Et même la pouzzolane, il y en a quand même en quantité
pour un substrat tout prêt, je trouve qu'il y en a quand même pas mal. Donc, et il y a aussi de l'engrais. Donc, il y a aussi de l'engrais en général dans les substrats tout prêts pour orchidées. Donc, normalement, vous n'avez pas besoin d'en rajouter, enfin, de lui en mettre pendant un moment, quoi. Après, ça s'amenuit très vite, hein. Il ne faut pas non plus attendre un an, mais ça s'amenuit très vite, hein, en général. Mais voilà, ça donne à peu près ça. Et je trouve que c'est pas mal. Ça, c'est pour les orchidées, bien sûr, épiphytes, les orchidées terrestres. Comme les cymbidiums, les paphiopédilums, ça c'est des orchidées qui demandent, vous pouvez, moi je sais que mon cymbidium, c'est un mélange de quelques écorces, mais vraiment quelques écorces, perlites, hétéro pour plantes vertes. Hein. Ça fonctionne très très bien et là vous n'êtes pas obligé de les rempoter dans des pots transparents, vous pouvez les rempoter dans des pots opaques, elles n'ont pas besoin forcément de luminosité sur les racines. Mais les phalaenopsis, oui. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, elles ont besoin de beaucoup de luminosité. Pas directe, forte luminosité, mais protégée par un voile si vous mettez derrière une fenêtre. Il faut à peu près un écart avec la fenêtre de 1,50 m, 2 m. Voilà, si vraiment vous avez une très belle exposition, sinon vous les rapprochez un peu plus, mais quand même mettez un voile. Bah, parce que, comme vous le savez, l'été, c'est de plus en plus chaud, de plus en plus... ouais, de plus en plus chaud, quoi, caniculaire, et ça va pas aller en s'améliorant dans les années à venir, je pense. Donc, il faut quand même les protéger. Donc, passons dans le vif du sujet, mes amis. Donc, on va commencer. Bon, de toute façon, les deux, hein, les deux, je vais les rempoter. Alors, là, c'est parce qu'elles sont en mauvais état. Normalement, quand vous achetez un phalaenopsis, que ça soit en jardinerie, supermarché, même fleuriste, donc, en général, ils sont bien sûr tout en fleurs, magnifiques, etc. On dit qu'il ne faut pas rempoter une orchidée qui est en fleurs. Tout simplement parce que sinon, la floraison qui est déjà présente peut avorter. Moi, je vous avouerai, par expérience, je ne vous dis pas de faire comme moi, parce que sinon, ça va être « Oh, elle rempote après achat !» bref, les orchidées, je les rempote pas forcément de suite après achat. J'attends. J'attends, je profite de la floraison quand vraiment il y a une très belle floraison. Là, je vais vous montrer, je me suis acheté un cambria. Le cambria, vous voyez la floraison actuelle. Là, je ne l'ai pas rempoté. Bon, le substrat est quand même pas dégueulasse en général. Hein. Pour les orchidées, ça va. De toute façon, ils sont obligés, sinon, alors là, toute la fournée serait crevée. Hein. Donc là, lui, je le laisse. Je l'ai arrosé parce qu'il était bien sec. Et les cambrias, elles aiment bien avoir leur substrat toujours plus ou moins humide. Pas détrempé, mais humide. Voilà, donc je ne rempote pas forcément de suite. Après, vous allez comprendre pourquoi maintenant, je le fais quand même plus régulièrement, même si l'orchidée a de magnifiques fleurs. Et pourquoi je prends le risque de les rempoter après achat, malgré qu'il y ait les fleurs, malgré aussi que je puisse perdre la floraison, c'est parce que il y a quelque chose dans le substrat. Et ça aussi, il y a pas plus, enfin, il y a de plus en plus de personnes qui le savent, mais il y a aussi des personnes, pas mal, qui ne le savent pas, qui ne comprennent pas pourquoi leur orchidée, quand ils l'achètent, qu'ils l'arrosent, tatati, tatata, elles pourrissent. Moi, c'est souvent les questions qu'on me pose. Je comprends pas, je l'arrose et tout, elle crève, elle pourrit. Enfin, voilà. Parce qu'il y a quelque chose dans le substrat qui est pas bon du tout. Enfin, qui est pas bon du tout. Oui, si, qui est pas bon. Et donc, du coup, en tout cas, pour tout ce qui concerne les phalles, ouais, en ce qui concerne les phalles, maintenant, je les rempote. Alors, tant pis, même si ma floraison... avorte, que les nouveaux boutons floraux avortent, ben tant pis. Je préfère maintenant sacrifier la floraison plutôt que la plante en entière. Et je vais vous expliquer pourquoi. Après, ce n'est pas, vous allez voir que c'est pas une obligation. Normalement, ça c'est clair, on ne rempote pas une orchidée en fleurs. Bon, c'est peut-être un peu contradictoire ce que je dis, mais j'en ai perdu beaucoup sans les avoir rempotées après achat. Eh ben, elles sont mortes peut-être 2-3 mois après, quoi. Elles ont pourri. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on va commencer par la petite, celle-là. Donc,
Bon, déjà pour la dépoter, vous pouvez y aller. Elles sont fragiles, mais c'est pas non plus. C'est pas des drama queens, moi, je trouve, les orchidées. Ah, ben voilà. Puis là, on a une belle pièce. Hein. Bah, vous allez très vite comprendre pourquoi. On dirait une psychopathe. Alors, je vais garder les pots. Je vais les rempoter dans ces pots-là, bien sûr, préalablement désinfectés, nettoyés. C'est vrai que les fâles aiment bien être à l'étroit dans leur peau. Donc là, étant donné que les racines sont pas... Voilà. Qu'on va sûrement devoir en couper certaines. On peut les rempoter. Je peux les rempoter dans ce pot-là. Donc, je vais vous expliquer. Ah, attends, mes mères. Déjà, on va enlever ça. Parce que, bon, de toute façon, la rampe, je vais la couper. Pourquoi je rempote donc mes fâles après achat? Pourquoi? À cause de ça. Là. De cette petite fameuse boule tueuse. Alors, qui a fait polémique? Parce que beaucoup disaient que, effectivement, cette petite boule tueuse, donc qui est soit composée de sphaigne, mais en général, non, c'est de la enfin, c'est de la mousse ou de la tourbe. Là, c'est de la. Ouais, là, c'est de la mousse. Ouais, attendez, je vais vous montrer. Vous grattez, vous voyez, c'est vraiment comme, comme une mousse, quoi. C'est une horreur, ces trucs-là. Beaucoup donc disaient que cette petite mousse, donc cette petite boule qui se situe vraiment au cœur de l'orchidée, donc au centre de l'orchidée, quoi, au cœur de l'orchidée, au collet, voilà, je cherchais le mot, était mise pour que justement les orchidées crèvent et qu'on en rachète d'autres. Alors, non, petite boule en fait, surtout chez les gros producteurs, donc comme je vous disais au début, les plus gros producteurs d'Europe, c'est quand même en Hollande. Et vu que, en fait, cette petite boule, en fait, c'est le premier habitat de l'orchidée quand elle est petite. Donc, du coup, elle pousse là-dedans. De toute façon, on le voit quand même bien parce que vous voyez toutes les racines qui s'accrochent, qui se forment à cette petite boule. Et en fait, quand l'orchidée est bébé, elle pousse dans ce substrat-là. Enfin, substrat avec des gros, gros guillemets. Et quand elles sont en âge d'être commercialisées, ils ne vont pas s'amuser à les dépoter, à enlever la boule, au risque de casser les racines ou de perdre, hein, faut dire ce qui est, hein, de perdre de l'argent. Donc, ils rempotent directement l'orchidée avec cette petite boule dans un pot voilà, transparent avec du substrat pour orchidée, tout simplement. Sauf que cette petite boule, aïe, 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 c'est pour ça que... Ben, il y en a beaucoup aussi, et moi la première ben, qui les perdait parce que ben, quand on ne le sait pas, ben, on ne le sait pas, hein, on n'est pas devin. Hein. En fait, c'est tellement, ça retient tellement l'eau, mais tellement, vu que c'est de la mousse, quand en fait ben, vous achetez votre orchidée, par exemple, vous savez voilà, qu'il faut arroser quand les racines sont grises, que vous avez quelques notions et tout. Donc vous voyez les racines grises, vous arrosez. Sauf qu'elle, elle se gorge d'eau et pour qu'elle sèche, ma cachoualou, ça prend des jours, voire des semaines. Donc, vous voyez, moi, c'est ce que je faisais, je vous parle par rapport à moi. Moi, je voyais les racines grises, pouf, j'arrosais. Je voyais les racines grises, pouf, j'arrosais. Ben oui, enfin, l'arrosage, on va dire, normal. Sauf que je ne savais pas qu'il y avait ça. Voilà. Donc, en fait, elle était constamment humide, cette petite boule tueuse, là. Ben, du coup, ça a fini par faire pourrir l'orchidée et au vu de son emplacement, donc au cœur de l'orchidée, c'est fini. Voilà, plus de racines, plus rien. Et pour refaire faire des racines à un phale, alors ça, c'est possible, hein, mais alors ça prend énormément de temps et c'est pas dit que ça marche. Donc, c'est pour ça, mes amis, que moi, je préfère... Bon, là, la floraison est dégueulasse, hein, est finie, donc là, pas de regret. Mais même quand j'achète des phales... comment dire, des phales qui ont des très très belles fleurs et tout, ben je préfère rempoter. Parce que j'ai essayé malgré tout de me dire, bon merde, ça fait chier de rempoter. C'est pas parce que je suis une invétérée du rempotage après achat, mais je me disais, bon, j'ai quand même envie de profiter de la floraison. Et donc j'ai laissé, tant pis, j'ai laissé, mais j'arrosais très peu. Je devais arroser une fois par mois. Mais malgré tout, une fois par mois, j'avais certaines de mes orchidées qui avaient donc encore cette boule tueuse vu que je ne les avais pas rempotées et qui étaient mortes. Voilà, mortes, salut, bye bye, à la prochaine, bisous. Donc maintenant, tant pis. Voilà. Après, c'est mon choix, je ne vous dis pas de faire pareil. Justement, on dit que, encore une fois, je radote, qu'il ne faut pas rempoter une orchidée en fleurs, chose qui est totalement vraie. Mais
Les phalles, il y a toujours, à part si vous achetez votre orchidée chez un horticulteur, quelqu'un qui est spécialisé dans les orchidées, et encore, mais non, qui fait ses propres créations, qui cultive ses propres orchidées, que ce soit chez les fleuristes, en supermarché, en jardinerie, tous les phalles ont ça. Donc, eh ben, tant pis, je préfère avorter la floraison. C'est un choix personnel, mais ça peut aller tellement vite, et là je vous parle par expérience, que ça pourrit tellement vite que non, stop. Même en l'arrosant très très peu, même une fois par mois, quand il y a cette espèce de boule, c'est foutu. Voilà les amis. Donc ça s'enlève. Alors tant pis, il faut y aller. Voilà. Faut gratter, il faut faire attention bon, aux racines, mais bon. De toute façon, je vais vous montrer, je vais la nettoyer, je ne vais pas le faire avec vous, sinon ça va durer trois plombes. Et je vous montrerai après l'avoir enlevée, les amis. Avant, après. Voilà, les amis, après avoir nettoyé la boule, vous voyez. Alors, vous essayez vraiment d'enlever le maximum, hein. En tout cas, tout ce qui est le plus proche d'ici, du cœur de l'orchidée, essayez parce que. Bon, après, s'il reste des petits morceaux comme ça, c'est pas grave, quoi, au niveau des racines, bon. Mais il faut quand même enlever le plus possible, parce que vous voyez la couleur, attendez, c'est pas très, voilà. La couleur des racines, je sais pas si vous verrez bien, parce que c'est assez lumineux, là, mais en fait, là où il y a cette boule, en fait, c'est assez jaune, les racines. Alors, elles sont pas mortes, mais c'est quand même un signe que, dans le temps, ça aurait pu pourrir et il faut faire hyper gaffe à ça, quoi. Après, bon, si vous voulez la laisser, je vous conseille vraiment d'arroser très, très peu l'orchidée, voire même juste de vaporiser le dessus du substrat, comme après un rempotage, pour éviter que cette boule soit détrempée et que vous puissiez aussi profiter de la floraison, parce que c'est vrai que quand on achète des phalles, c'est aussi pour leurs magnifiques fleurs. Donc, voilà. Moi, je vous dis, je fais moi comme ça, mais je ne vous conseillerais jamais de faire comme moi. Hein. Je vous dis comment je fais parce que je trouve ça sympa de pouvoir partager. Et c'est un choix réfléchi. On va dire ça que oui, c'est réfléchi. Mais voilà, donc ça donne ça quand on les nettoie. Donc, une fois après qu'on a enlevé cette petite boule, il faut checker les racines. De toute façon, vous le voyez vite, hein, parce que les racines, en général, les racines des phalles, ah ben ça avance tout seul. Quand elles sont assez humides, quand vous tirez dessus et que ça vient tout seul, et que quand vous tirez comme ça dessus et que ça vient tout seul, c'est que la racine, voilà, est pourrie, est morte. Quand les racines sont vraiment molles, spongieuses, c'est pareil, c'est mort. Quand c'est sec, là, par exemple, vous voyez, là, c'est vraiment très sec. Ça. On peut couper, alors bien sûr, ciseaux toujours désinfectés, parce que ils sont quand même les phalles très sujets, enfin très sensibles aux maladies fongiques. Il faut faire hyper gaffe à ça. Le petit bout là. Voilà. Ah bah tiens, une racine là qui est vraiment sèche, vous voyez là, le bout. Ça, on peut couper. Pas toute la racine, parce que ce morceau-là, on voit qu'il est sain, mais ce qui a été abîmé, tac. On coupe au mieux de ce qu'il faut, enfin voilà, de ce qui est mort, pourri, sec. Hop. Après, il faut faire attention parce que c'est vrai que lors du rempotage, enfin, les racines sont quand même assez fragiles. Donc, il faut quand même être délicat, mais en même temps, c'est pas non plus des cocottes qui sont fragiles au point qu'on puisse rien faire, quoi. Là, vous voyez, il y a un bout de hampe. Vraiment sèche, on essaye de couper au plus ras, sans bien sûr faire du mal à la plante. Alors, en ce qui concerne les hampes qui restent, qui sont des fleuries, alors il y a deux options. Soit vous attendez, moi j'attends toujours en fait, quand elle est bien verte comme ça, j'attends toujours qu'elle sèche en fait, qu'elle sèche ou qu'elle devienne, voilà. Qu'elle devienne jaune comme ça. Là, quand elle est jaune orange comme ça, vous pouvez couper à ras, il n'y a aucun souci. Ça ne fera pas de nouveau des fleurs. Mais quand elle est verte comme ça, j'attends toujours. Parce que là, c'est ce qu'on appelle les yeux. Voilà, donc il y en a qui disent qu'il faut couper au-dessus du deuxième ou troisième œil. Là, je vous avouerai, je pense que je vais couper ça. Voilà.
Je vais couper au-dessus du 1, 2, du deuxième œil. Toujours en biais, pas droit, je coupe toujours en biais. Donc voilà, à peu près, je vais vous montrer. Mes mères. Voilà. Donc ça, c'est les yeux. Donc il peut y avoir une floraison qui reparte là. Comme ça, ben, la plante, ça va aussi la stimuler à refaire peut-être une nouvelle série de fleurs. Il y a une montée de sève. Enfin voilà. Ça peut comme ça, ne peut pas. On ne sait pas. Ça, c'est elle qui décide. Elle, c'est pareil. Elle, je vais couper là parce que les fleurs, ça y est, elles ont cassé leur pipe. Donc là, il y a un, deux. Elle a fleuri au niveau du troisième œil. Alors pareil, on va couper en biais au niveau du au-dessus du deuxième œil. Et voilà. Donc vous voyez, et là, ça peut repartir. Oh, ici. Ouais, ça peut repartir ici. Donc c'est bien. Soit alors vous n'êtes pas forcément obligé de couper, mais bon, ça peut aussi stimuler la plante, ça la fatigue moins aussi à garder ses fleurs toutes rabougries, toutes. Voilà, il y a une, comme je vous disais, il y a quand même une montée de sève et tout, donc elle peut peut-être reproduire. Moi, ça m'est déjà arrivé sur plusieurs de mes fals d'avoir une deuxième, voire une troisième floraison. Après, si vous voyez que elle commence à vraiment jaunir et tout, vous pouvez couper à ras. Là, par contre, voilà, pour éviter de fatiguer la plante et pour permettre à la plante de créer une nouvelle hampe à sa base. Voilà, éviter aussi de la fatiguer. Donc, au niveau des feuilles, je ne sais pas s'il y en a que je coupe. Je pense que les feuilles, je vais laisser faire la nature, c'est-à-dire que je vais rempoter comme ça, parce qu'elles sont vraiment déshydratées. Surtout les feuilles du bas, là, comme ça, vous voyez, c'est très, très déshydraté. Après, on dit, ah, je croyais qu'il y avait une nouvelle feuille quand même. Donc, j'allais dire, mais mère, même dans cet état-là, tu fais une nouvelle feuille. Eh bien, alors, une fois que vous avez checké les racines, etc., si par mégarde, comment vous dire ça, vous abîmez une racine saine, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre de la cannelle en poudre dessus. Moi, je le fais depuis des années, ça, et c'est un très bon antiseptique naturel. Très bon antiseptique. Voilà, la cannelle, bien sûr, à ne pas mettre par contre sur la peau, sur nous, parce que ça n'a pas les mêmes effets. Hein, faut faire attention, hein, surtout l'huile essentielle. Hein, ça brûle, hein, par contre, hein, sur nous. Et vous pouvez faire ça sur toutes les plantes. Une racine abîmée, une feuille abîmée, vous pouvez saupoudrer de la cannelle. Ça permet une cicatrisation beaucoup plus rapide. Même pour les cactus, ça marche très bien. Et en plus, c'est un antiseptique. Donc voilà, si par mégarde, voilà, vous abîmez une racine, parce que c'est tellement fragile les racines des fals, et que ben, voilà, avant de la rempoter, vous mettez un peu de cannelle, et après vous rempotez mes mères. Donc je vais encore vous abandonner, parce qu'il faut que je lave le pot. J'ai oublié, j'aurais pu le faire, mais bon, je vais laver le pot, mes amis. Donc voilà, donc le pot est bien nettoyé. C'est pas grave s'il est un peu humide, hein. Il y en a qui, alors avant de rempoter, il y en a qui préparent donc leur substrat un petit peu humide. Moi, je préfère pas parce que parfois on ne voit pas qu'on fait du mal aux racines saines. On ne voit pas forcément tout. Donc, j'ai toujours peur qu'il y ait une maladie fongique ou pourrissement ou quoi que ce soit. Donc, je préfère rempoter à sec. Et après, bon, je vous expliquerai. Mais donc, voilà. Alors, du coup, c'est là où il faut un petit peu se. Voilà, hein, c'est un peu au pifomètre dans le sens où il faut voir comment, voilà, comment on va la rempoter. Vous voyez là, bon, là c'est un peu trop enfoncé. Il faudrait que ça soit, ouais, à peu près comme ça. Je sais pas comment vous montrer. Je vous montrerai après. Donc, je vais en rajouter un peu. Mes mères, je pense que tu vas revivre, hein, ma petite mère. Hein, parce, alors. Alors, quand vous avez des grandes racines comme ça, vous pouvez les laisser sortir du pot, hein, vu que de toute façon, elle a des racines aériennes, elle vous en fera d'autres. Donc, vous pouvez la laisser parce que des grandes racines comme ça, si vous pouvez essayer de les mettre dans le pot, mais c'est en général là qu'on les casse. Donc là, je pense que ça peut être pas mal. Alors, on appuie un peu, mais bon. Alors, on comble, hein. C'est pas grave, hein, si vous en foutez partout, ça on s'en fout. Hein. On nettoie après. Et en fait, une orchidée qui est bien, bien rempotée, en fait,
Quand vous avez fini le rempotage, quand vous tirez, vous prenez le, je vais vous montrer, quand vous prenez l'orchidée par les feuilles et que vous la soulevez, il faut qu'elle reste dans le pot, en fait. Il faut qu'elle soit bien maintenue dans le pot et qu'elle ne s'échappe pas du substrat, tout simplement. Voilà, et là, vous savez que tout est bien mis en place, tout est bien... Oh, Kikinette, ne donne pas du fil à retordre, hein, s'il te plaît. Bon, voilà. Mais là, pauvre mémère. Bah là, c'est plus facile parce qu'elle est très malléable, hein, vu que ses feuilles sont, comment dire, sont déshydratées, ses racines aussi. Mais bon, quand elles sont en pleine santé et tout, c'est là où il faut être un peu plus délicat. On va dire ça comme ça, parce que c'est là où la casse, voilà, se fait plus sentir. Puis bon, moi, des fois, je ne suis pas très délicate. Donc, il faut faire attention, quoi. On va secouer un peu. J'espère que j'ai tout bien fait. Voilà, sur les côtés, au milieu, partout, mes mères. Je rentre dans ton intimité. Voilà. Allez. Et voilà. Et en fait, ça donne ça. Et alors, pas que... Si je tire dessus, je pense qu'elle va... Si je tire dessus, je pense qu'elle va venir... elle va sortir du substrat ben, parce qu'en fait, elle n'a pas beaucoup de racines. Donc là, vous voyez, elle tangue un peu. Hein, elle n'a pas beaucoup de racines, mes mères. Donc, mais normalement, une orchidée que vous rempotez qui est en pleine santé, qui a quand même un beau système racinaire, pour voir si elle est bien rempotée, vous la soulevez par les feuilles avec le pot et ça tient tout seul. Quoi. Aussi. Donc là, on est pas mal. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait après le rempotage? Alors, moi, je ne les arrose pas. Je vous parle d'arrosage normaux. Je ne réarrose pas avant moins de 2 semaines. Facile. Donc, ce que je fais, en fait, je ne les arrose pas normalement pendant 2 semaines. Par contre, tous les 2 jours, je vaporise le dessus du substrat. Voilà, je vaporise le dessus du substrat. Les racines, ben voilà, comme ça, qui sont aériennes, je vaporise aussi. Et après 2 semaines, une fois que ben, l'orchidée voilà, se remet de ses émotions, surtout quand c'est des malheureuses comme ça, hein, qui viennent du coin des malheureuses, j'attends parfois même 1 semaine de plus, hein, c'est pour vous dire. Donc, je les laisse tranquilles, je vaporise pour qu'elles soient quand même un petit peu hydratées. Et après, je reprends les arrosages normaux au bout de 2 semaines, au moins 2 semaines. Après, au niveau de la fréquence, donc sur une orchidée qui est vraiment en pleine santé, je les arrose. Alors, pendant la belle saison, donc début du printemps jusqu'à fin été, pendant la période de croissance, je les arrose. Je n'ai pas trop de fréquence, en fait, hein, vu que je zieute et tout. Mais normalement, c'est une fois tous les 10 jours, à peu près, les orchidées. Les fans, ils n'aiment pas forcément être arrosés, à part s'il fait très très chaud, que le substrat sèche très vite, que est très drainant et sèche très vite. Là, vous pouvez même le faire une fois par semaine. Mais si vous avez un substrat qui retient quand même assez l'eau, qui a de la sphaigne et tout, etc., moi, je les arrose à peu près tous les 10 jours, pendant la belle saison. Je les vaporise. Alors, attention de ne pas mettre d'eau au niveau... du cœur de l'orchidée et entre les feuilles, parce que ça peut pourrir, à part si bien sûr il fait 40 degrés, moi ça, j'ai jamais eu, je touche du bois, ce genre de problème, même à la maison, enfin à la maison, à l'ancien appart, je les douche, je continue à le faire, mais c'est les miennes, donc peut-être qu'elles sont habituées, tout ça, mais je le fais pas l'hiver, attention, hein. Donc tous les 10 jours environ, si vous avez un substrat vraiment très drainant. Par contre, c'est une fois par semaine. Si vous avez un substrat un petit peu plus composé avec de la sphaigne et tout, moi, j'arrose tous les 10 jours pendant la belle saison. Alors, vous pouvez les phalaenopsis se les mettre dehors hein, pendant la belle saison, bien sûr, à l'abri du soleil. Elles aiment bien pour refleurir. Vraiment, le secret pour les voir refleurir, c'est surtout la luminosité. Elles demandent quand même beaucoup de luminosité. Ce n'est pas des plantes non plus d'ombre. Elles ont besoin d'avoir une forte luminosité, mais indirecte. Au niveau de l'engrais, moi, je leur en mets pendant la belle saison. Alors, j'utilise de l'engrais pour géranium. Donc, engrais pour géranium, plante fleurie, ça marche très bien. Voilà. Après, je ne vous dis pas
Pareil, de faire comme moi, sinon il y a des engrais pour orchidées qui sont très bien. J'en mets à peu près, alors par contre, engrais pour géranium, on divise la dose par deux ou par trois, hein, par rapport, surtout pour ces petites mémères-là. J'en mets en général, pendant la phase de croissance, j'en mets deux fois par mois, à peu près. Une à deux fois par mois. Après, c'est compliqué pour moi de vous donner un rythme, hein, parce que comme je vous dis, c'est propre à chacun et à chacune. Mais voilà, c'est pour vous donner un petit peu les bases de moi, de ce que je fais. Est-ce que c'est bien ou pas, je n'en sais rien, mais en tout cas, ça convient aux miennes. Donc au niveau de l'engrais, luminosité, donc rempotage tous les 2-3 ans en général, mais c'est pareil, ça dépend si elles poussent vite, si elles ont un très fort système racinaire. Là, il faut quand même les rempoter dans un pot un petit peu plus grand, pas les noyer dans un pot beaucoup plus grand, parce que comme je vous disais, elles aiment être à l'étroit. Et après, je voulais aussi vous parler, parce que j'ai essayé, donc il y en a beaucoup que ça intéresse, l'hydroculture passive. Donc c'est le fait de remplacer le substrat de l'orchidée par des billes d'argile et de mettre un fond d'eau dans un tupperware et de poser le pot en fait, comme ça. Je vous montre. De mettre de l'eau dans un tupperware, bien sûr, plus haut, au niveau des bords, mettre un fond d'eau et en fait, à la place du substrat, de mettre des billes d'argile ou directement en hydroculture totale, c'est-à-dire de nettoyer les racines complètement, de les mettre dans un récipient transparent et de mettre un fond d'eau au fond du bocal, enfin du bocal, et de laisser trempouiller un tout petit peu les racines. Voilà. Alors, je l'ai eu fait. J'ai fait les deux pendant un an. Comment vous dire? Alors, je l'ai fait pendant l'été, enfin printemps-été de cette année-là. Alors, j'ai eu des floraisons absolument magnifiques. J'avais des phalles qui me faisaient une ampe florale de 8-9 fleurs, énorme, comme ça. Donc, ça marche extrêmement bien pendant la belle saison. Mais quand est arrivé l'hiver, comment vous dire que là, par contre, ça a merdé. Pourtant, je faisais très attention, ben, parce que l'hiver, les phalles, moi, je les arrose pas forcément beaucoup. Je les arrose peut-être une fois par mois et c'est largement suffisant, en sachant bien sûr qu'il n'y a pas de chauffage. Enfin, il n'y avait pas de chauffage dans la chambre des cocottes, comme vous vous en rappelez à l'ancien appartement. Là, mes phalles sont à l'entrée, donc il fait pas forcément très chaud non plus. Et je pense que l'hiver, bah forcément, avec la porte d'entrée, tout ça, ça sera pas, il n'y aura pas le radiateur avec l'air sec, tout ça, etc. Quand je les ai en substrat, les phalles d'hiver, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, je les arrose une fois par mois, pas d'engrais. On va dire que voilà, ils sont en semi-repos, ça dépend, parce qu'en général, les phalles, ils aiment bien fleurir soit au printemps, soit pendant l'hiver, après leur phase de croissance pendant la belle saison. Mais je les arrose très peu. Et bien sûr, je ne les douche pas, hein, qu'on soit bien d'accord, pour éviter les maladies fongiques. Ils n'ont pas forcément trop d'ennemis au niveau des bestioles. Enfin, plus les cochenilles, la carapace. Moi, quand j'ai des bestioles sur les phalles, en général, c'est les cochenilles, la carapace, mais ça arrive rarement. Les trypses, ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. Donc, elles sont vraiment merveilleuses, ces cocottes. Bref, donc arrivé à l'hiver, ça a pourri. Et là, ça a pourri, pourri, pourri. Donc en fait, pour avoir discuté avec pas mal de personnes qui utilisaient ce mode de culture en hydro et en hydroculture passive, en fait, il y a tout un processus à respecter, notamment au niveau du pH de l'eau, au niveau des engrais à utiliser, pour que vraiment l'orchidée puisse prospérer. Attention, je ne dis pas que ça marche pas. Que ça va pas marcher ou quoi. J'en suis sûre que chez certaines personnes, ça doit marcher hiver, printemps, été, automne, enfin voilà. Mais moi, je sais qu'à la maison, ça avait très, 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 très bien marché en hydroculture, surtout totale. Pour la floraison, ça avait été absolument exceptionnel. Mais arrivé à l'hiver, alors là, c'était maladie fongique, j'en ai perdu beaucoup. Et j'ai dit, c'est terminé, vous retournez en substrat. Voilà. Mais c'est pas mal aussi pour sauver une orchidée qui a très peu de racines. Moi, je l'avais fait pour un de mes phalles qui avait plus qu'un petit moignon comme ça
de racines et je l'avais mis, en fait, je l'avais calé comme ça dans un pot transparent, je l'avais calé vraiment au-dessus. Et en fait, il y avait juste son petit moignon de racine qui, sur peut-être quelques millimètres, qui trempouillait dans l'eau et il était reparti comme ça, j'avais pu le sauver comme ça. Mais maintenant, je n'utiliserai plus. À moins vraiment de m'y connaître, de comprendre le fonctionnement de l'hydroculture, de comprendre ce qu'il faut pour le pH, pour les engrais, pour tout le soin. Voilà, je préfère continuer à les cultiver, pardon, dans un substrat. Voilà, mes amis, je pense que je vous ai tout dit. J'ai peut-être oublié des choses, mais je pense pas. Je pense que vous allez avoir une sacrée vidéo encore. C'est vraiment des super cocottes. Et là, les amis, donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions. J'ai peut-être oublié des choses, hein, c'est fort possible. Mais je pense que, bon, ben j'ai pas oublié grand-chose. Bien sûr, je vous donnerai des nouvelles d'ici quelques temps, en espérant qu'elles se remettent bien. Petite mémère. Et puis, écoutez, prochaine vidéo, ça sera le home tour. Donc, vous les verrez à ce moment-là. Et après, si vous voulez parler d'autres orchidées, comme les orchidées à pseudobulbes aussi, qui sont un petit peu plus, bon, qui ont encore un autre mode de culture et tout, pourquoi pas, quoi. Après, bon, comme je vous dis, hein, je ne me définis pas comme quelqu'un qui connaît beaucoup de choses sur les orchidées. Très, très loin de ça. Et puis, bon, je ne me permettrai pas, surtout. Voilà, je trouvais ça sympa de vous donner un peu les bases pour pouvoir les garder le plus possible, le plus longtemps possible et de pouvoir en profiter aussi. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je vous embrasse bien bien fort. Prenez soin de vous. On se dit à très vite. Et je vous embrasse. À bientôt les amis. Ciao!